le vrai Cézanne est extrêmement difficile à saisir. Parce que si on se réfère effectivement aux premières années, en tout cas de sa carrière de peintre, il doit trouver sa place dans un milieu parisien d'avant-garde. Et il trouve sa place notamment devant le cercle de Manet. Donc il joue un peu le rôle de Courbet, c'est-à-dire du provincial un peu mal dégrossi, qui provoque un peu, qui s'habille pas très bien, qui est un peu bougon, un peu difficile d'approche, qui construit ce personnage pour peut-être mieux se protéger, et pour aussi trouver une note plus singulière, qui est effectivement quelqu'un qui se détache assez rapidement du jeu social.